Alors, bon, moi aujourd'hui, bonjour, pardon, je suis un petit peu mal à l'aise pour le forum, notamment vis-à-vis de Clem, puisque Clem, tu as l'air de dire que tu es d'accord avec moi, alors que moi, je ne me sens pas d'accord avec toi. Hein. Donc, c'est vrai que je pense comme toi que certes, les enfants ne ressemblent pas à leurs parents, mais là où toi, tu as l'impression que c'est un obstacle, pour moi, je trouve au contraire que c'est une chance à saisir. Parce que ça nous dit, mais finalement, quel bonheur de ne pas être des levures de bière. Hein. Parce que la levure de bière, qu'est-ce que c'est? Tu sais, c'est bon, ce sont des petites levures qu'il y a dans la bière et qui font la fermentation. Et ces levures de bière se reproduisent en fait par autoreproduction, par bourgeonnement. Et sauf que nous, on n'est pas comme ça. Nous, pour créer un enfant, on est obligé de trouver un partenaire et de s'associer à lui et de se mélanger, de s'unir, de partager nos semences pour en faire un mélange. Mais quand je dis un mélange, je ne veux pas dire un mélange comme une pina colada, qui est un autre alcool que j'ai beaucoup... usité durant une période assez sombre, assez trouble de ma vie. Enfin, je dis pina colada, mais je pourrais très bien dire whisky coca, vodka pomme, gin fizz, enfin bref, tout cela. Comment ça fonctionne, la pina colada? C'est 50% pina, 50% colada, qui donne au final toujours le même cocktail, toujours de la pina colada. Alors qu'un enfant, eh ben, on voit qu'on a beau mettre 50% papa, 50% maman, à la fin, on obtient toujours des enfants différents, des cocktails différents, des cocktails qui sont parfois enivrants, vitalisants, et puis d'autres saoulants, voire qui mettent une sérieuse gueule de bois. Hein. Des fois, il y a des enfants, boum, ils t'attaquent le cerveau, mais ils sont uniques, et c'est ça qui est formidable. Même d'ailleurs chez des vrais jumeaux, hein, qui sont uniques, au moins par leur personnalité. Hein, donc là, on voit vraiment que la création d'un enfant, c'est pas papa plus maman, c'est papa plus maman plus l'enfant. Et c'est ça qui est vraiment beau, quoi.